Semaine avec moi un nouveau vlog. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué. Sachez qu'il va y avoir beaucoup de vlogs pour le mois de novembre. Voilà, il va y avoir beaucoup de vlogs ce mois de novembre. En fait, il va y avoir des vlogs pendant les 2 prochains mois parce qu'en décembre, il y a les vlogmas. Donc voilà. Du coup, là, il est 9h30 du matin. Voilà. Et du coup, je vous embarque avec moi cette semaine. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Déjà, ce qui est bien, c'est que je vous ai pas dit quel jour on était. Le 28 octobre, donc c'est bientôt Halloween. Et du coup, cette semaine, j'ai que 2 jours de travail, donc c'est très bien. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je suis en jour off au service civique et aussi en théâtre, parce que c'est les vacances, donc c'est pour ça que j'en profite aussi pour vous emmener avec moi cette semaine. Voilà, comme ça, j'ai un peu le temps de bloquer et tout. Du coup, aujourd'hui, c'est repos, enfin, j'ai rien prévu, quoi. Enfin, à part mon rendez-vous psy tout à l'heure, mais. Ensuite, demain, du coup, j'ai travail. En plus, j'ai une formation. Donc, du coup, je sais pas trop si je vais filmer tout parce que c'est formation. Mercredi, j'ai ma journée de taf normale. Jeudi, vendredi, c'est week-end. Voilà. Parce que, du coup, j'ai pris un jour de congé au service civique parce que je dois faire le 31 comme j'avais fait l'année dernière. Du coup, je vous emmène avec moi pour une nouvelle édition Halloween. Youpi. Alors, du coup, j'ai aussi la voix cassée. Je suis malade. Voilà, ma mère m'a envie, c'est les virus. Donc, c'est top. Donc voilà, donc du coup je vous emmène pour une nouvelle édition Halloween avec moi. Normalement mercredi soir je fais une petite soirée avec mes copains. Et le premier j'hésite encore à faire un truc. Parce que je comptais aller dormir le 31 chez mon père. Mais du coup si on revient à Montpellier ça sert un peu à rien. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Bref, cette intro est déjà trop longue. Alors, je vous retrouve, il est beaucoup plus tard parce qu'il est actuellement 14h. Je suis morte de rire, j'étais en train de faire un faux tuto make-up. Les filles, on se sait, genre on se pose devant notre miroir pendant qu'on se maquille, on est là, on fait un faux tuto make-up. Et je me suis rendu compte que je devais filmer en fait. Enfin, c'est quand même dingue la vie. Donc, j'ai totalement zappé. Bref, du coup, si jamais j'étais en train de faire un petit tuto make-up en mode j'utilise ce petit. Bébé crème là de Herborian. Bref, je m'étais dit que j'allais tester ma nouvelle poudre Kiko parce que du coup j'avais plus de poudre donc ma mère m'en a acheté une donc ils ont fait plus celle que je faisais avant. Je me suis dit qu'on allait tester celle-là. Donc on va voir. En plus il y a la petite houppette. Je suis pas sûre que ce soit une houppette mais ça ressemble à une houppette. Donc pourquoi pas. Je suis pas très sûre, bon bref. Du tout make-up bancal. J'étais vraiment, en fait, du coup je suis rentrée chez moi, à mon appart. Voilà, et j'ai rangé mes affaires, j'ai fait à manger, et en fait après j'ai comaté avec mon livre et ma série. Et voilà, et là je me prépare pour aller chez la psy présentement, et je me suis rendu compte que voilà, j'avais totalement envie de filmer. Bref, donc ça va être bancal, vous en faites pas, ce vlog, c'est tout à fait normal. En tout cas, là, du coup, je me prépare pour aller chez la psouk. Voilà. Ça fait très longtemps que je suis pas allée la voir. Ça fait plus d'un an. Je sais pas. Ouais, ça fait plus d'un an que je suis pas allée la voir. Voilà. Donc, bah là, j'avais envie d'aller la voir un petit peu parce que ça me manque. Finalement, quand même, j'aime bien, moi, discutailler un peu de ma vie. Et surtout que à tout moment elle est au courant que je fais des vidéos et donc elle regarde mes vidéos mais bref. Et en fait c'est juste que y a pas forcément de trucs particuliers mais c'est vrai que vu que j'ai des semaines plutôt chargées, je me suis dit si jamais elle peut me donner des tips pour pas craquer dans la life, je pense que ça serait bien. Donc voilà, make-up très léger, je mets juste un peu de fond de teint, de mascara. De la poudre et du gloss, voilà, parce que de toute façon, j'ai pas besoin de me faire super belle pour aller voir ma psy. Ça pourrait, hein, mais c'est pas forcément dans mes objectifs. Donc voilà. Et qui du coup montre un peu la renaissance de Julien Révérchon.
chambre à l'intérieur de la statue. C'est indiqué par le montage qui montre. Ah, je l'ai, tu vois. Je te raquette. Ah oh, bon, j'ai proposé. Hein. Merci. Radji. Merci. C'est quoi là-bas? Hein? Échange. Ah. Hello! Alors, il se pourrait que j'ai totalement zappé de faire le vlog. Déjà, désolée, là, je suis à contre-jour, ça va pas du tout. On se retrouve, je crois que j'ai pas filmé du tout hier ni mardi. Je m'en excuse. On est le jeudi 31 octobre, c'est Halloween aujourd'hui! Malheureusement, je ne le fête pas. Je suis triste parce que vraiment, Halloween, c'est ma fête préférée de toutes les fêtes qu'il y a de ce monde entier. Et je le fête jamais, enfin c'est très rare. Et là je suis triste de pas le fêter cette année parce que du coup, en gros, ce soir je travaille avec mon père comme l'année dernière, comme je vous l'ai dit. Mais du coup je le fête pas vraiment, c'est juste que genre je vais m'amuser quoi, mais genre je le fête pas vraiment tu vois. Et du coup moi je voulais le fêter le 1er novembre, sauf que c'est compliqué parce que j'ai envie d'aller chez ma maman. Et que faire venir mes amis chez ma maman, c'est un peu chiant et tout. Donc j'avais pas envie de me prendre la tête en mode bon, alors il faut que nanana et nanana vous veniez tant. Donc pas d'Halloween cette année. Et pourtant j'ai tellement d'idées de costumes cette année, donc je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de pas le faire. Mais c'est pas grave parce que ce soir je vais quand même m'amuser. On va dire que c'est ma soirée Halloween. Bref, du coup je suis déçue de pas avoir filmé. Mardi j'étais au service civique et en fait j'ai eu une journée de formation, donc ça s'appelait culture commune et en fait on était avec d'autres gens etc. Voilà, c'était une formation sur qu'est-ce que c'est la mission locale, qu'est-ce que c'est un service civique, qu'est-ce que c'est un CEJ etc etc. Donc ça a duré toute la journée, ça m'a bien épuisée parce que j'étais malade comme vous le savez. Donc du coup j'étais vraiment fatiguée et en fait bah j'ai pas pu trop filmer parce que voilà j'étais en formation donc j'avais pas le téléphone etc. Et quand je suis sortie, déjà on a fini beaucoup plus tard, on a fini à 17h30, bref, le 17h. Et en fait quand je suis rentrée chez moi, je me suis écroulée. Voilà, je suis rentrée, je me suis allongée sur le canapé, je me suis endormie. Donc du coup bah, ce qui fait que quand je me suis réveillée bah, j'étais juste en mode bon voilà Elfie faut que t'ailles te laver et c'est tout. C'est la seule tâche que je te demande ma belle, que tu aies la force d'aller te laver pour aller te recoucher. Donc voilà, du coup je me suis couchée alors vers 21h ouais 21h mardi. Donc vraiment c'était journée, j'étais pas là quoi, j'étais au bout de ma vie. Et mercredi, donc hier, j'aurais pu un peu filmer, je crois que j'ai un peu filmé des plans dans le bureau et tout, mais on n'a pas fait grand chose, donc c'est vrai que j'ai pas envie de filmer quand il se passe pas grand chose au bureau quoi, parce que là on avait une réunion, enfin on avait une réunion avec des gens en visio etc, mais j'allais pas genre sortir mon tel pour filmer la visio tu vois, bref, donc du coup voilà. Mais et le soir je suis sortie avec mes amis et j'ai juste totalement oublié dans le moment de filmer parce que bah c'est vrai j'étais avec mes amis, ça faisait longtemps que je les avais pas vus, donc du coup bah j'ai profité avec eux et tout, et en fait j'ai totalement zappé que j'étais en train de faire un vlog et je viens de m'en rappeler ce matin. Donc bref, du coup là on est jeudi, là il est 10h13, je me suis réveillée à 9h30. Voilà, ça fait déjà trop longtemps que je suis réveillée que j'ai rien fait. Donc bah c'est parti. Au moins aujourd'hui je sais que je vous emmène avec moi parce que c'est Halloween et qu'on a plein de choses à faire.
Là, on est avec Roberto. Roberto, il s'est pendu, je pense. Pas très bien, Roberto. On est au Labyrinthe Hanté et c'est parti pour la soirée. Il est 16h45. Ça commence peut-être bientôt, dans une heure. Nous ne savons pas, finalement. Alors, on a fait les petites araignées. Je vous retrouve encore une fois 56 ans après, puisqu'on est dimanche et que je vais clôturer ce vlog tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai assez filmé, je sais pas. Voilà, désolée de cet accoutrement, j'ai très froid. du coup, hier, écoutez, on a fait un peu de shopping. Je suis allée à la librairie et j'ai acheté un livre et un livre pour les cours. Et voilà, parce que c'est principalement ça. Et on a fait le repas d'Halloween hier, j'ai filmé quelques extraits et tout, c'était bien bon, je recommande, voilà. Et du coup hier, enfin aujourd'hui j'ai fait quelques trucs, mais j'avoue que j'ai pas trop filmé, pourtant j'ai vraiment eu un dimanche ultra productif, parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais décalées, etc. parce que j'avais pas pu faire ce week-end. Donc j'ai été vraiment super productive aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait genre yoga, j'ai fait ma valise, j'ai fait tous mes devoirs que j'avais pas fait du coup cette semaine. Genre j'ai rattrapé tous mes devoirs que je devais faire dans la semaine
aujourd'hui. Donc que ce soit apprendre mes deux textes, reapprendre ma chanson, réviser mes cours de danse. J'ai beaucoup lu dans le jardin aussi. Je suis beaucoup restée dehors pour travailler, etc. Parce que j'en ai profité puisqu'il faisait beau, donc pas m'enfermer. Du coup, j'ai travaillé genre toute la matinée et toute l'après-midi. Et une fois que j'avais fini de travailler, là, j'ai trié la galerie de mon téléphone. Et voilà, et là, je vais rentrer chez moi, du coup, à Montpellier. Donc, je pense que je vais vous laisser là, parce que ce soir, on va rentrer assez tard à Montpellier. Et bah, je pense qu'on va manger et se mettre devant une série. Donc, je risque pas de filmer. Du coup, je clôture ce vlog maintenant. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle vidéo. Bisous!